va parler des perspectives pour 2020. Vous savez que 2020 est une année particulièrement riche en termes d'événements liés à la question de la biodiversité. On ingère 5 grammes de plastique. 5 grammes de plastique, c'est quoi? C'est ça. C'est le poids d'une carte bancaire. Donc, en moyenne... Chaque semaine, on mange une carte bancaire. Il y a aujourd'hui une crise de la biodiversité. Nous parlons maintenant d'effondrement du vivant, même plus d'érosion de la biodiversité. Nous avons perdu en seulement 13 ans un cinquième de nos oiseaux. Il n'est pas trop tard pour agir, il n'est pas trop tard pour réussir. Je voudrais vous assurer de la mobilisation du gouvernement, du ministre d'État, bien sûr, de toute son équipe. C'est de faire de la biodiversité un élément du patrimoine régional. Aujourd'hui en Ile-de-France, le trésor, ce sont nos artistes, nos châteaux, et c'est aussi nos vergers, notre maraîchage, les murs à pêche de Montreuil, la cerise de Montmorency, toute la variété de la flore et des animaux. Dépassons aussi nos sentiments égoïstes de préserver pour nous-mêmes, préservons aussi pour la beauté des choses. L'aménagement du territoire peut et surtout doit plus que jamais intégrer la biodiversité. Il est prioritaire qu'un changement de pratique soit opéré à chacun de ces niveaux de décision. Le maître mot de cet après-midi, le maître mot de ces assises, c'est l'engagement. La région Île-de-France qui a une politique exemplaire. C'est la commune de Passy. Et on voilà. Vous remet votre dotation et puis...